Je viens de lancer l'enregistrement, donc merci d'avoir accepté qu'on puisse enregistrer donc cette conférence et merci à nos conférenciers de participer à Optique. Nous allons commencer par une première présentation de Denis Arrivera et de Pauline de Montpellier qui vont principalement nous parler de l'apprentissage des concepts essentiels contestés dans les MOOC. Le cas de la responsabilité sociétale des entreprises. Pour ceux qui ont assisté à la présentation de Marianne Freinet hier matin, c'est un des volets de la grande recherche qu'elle a présentée. Pauline, Denis, je vous laisse le micro. Vous pouvez partager votre PowerPoint quand vous voulez. Merci beaucoup. Alors. Voilà, j'espère que ça fonctionne pour vous. Parfait, merci. Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour cette présentation sur l'apprentissage des concepts essentiellement contestés dans les MOOC, avec le cas de la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, c'est un projet de recherche sur lequel travaillent Denis Rivera, professeur Valérie Swann et professeur Marianne Freinet et moi-même. Alors, avant de commencer, nous souhaitions vous expliquer brièvement le cadre dans lequel cette contribution se situe. Donc, en fait, nous faisons partie du projet de recherche interdisciplinaire MOOC Recherche 2.0 à l'UC Louvain, financé par les actions de recherche concertées que Marianne a présentées hier matin. Et donc, le but de ce projet, c'est d'investiguer les conflits socio-cognitifs à propos des concepts essentiellement contestés en sciences humaines et sociales sur les plateformes d'éducation en ligne. Alors, pour ce faire, nous sommes quatre chercheurs doctorants et postdoctorants, supervisés par quatre professeurs et aidés par un assistant de recherche. Et on étudie le sujet selon différentes approches propres à nos disciplines. Alors, notre chercheur en communication s'intéresse à la constitution de débats à propos de controverses. Denis, en éducation, étudie les conflits socio-cognitifs et l'apprentissage. Personnellement, en management, je m'intéresse aux concepts essentiellement contestés et j'étudie le cas de la responsabilité sociétale des entreprises. Et un quatrième chercheur, en linguistique, analyse la négociation des concepts dans une langue étrangère. Alors, Denis et moi avons décidé de vous présenter aujourd'hui une contribution commune située à l'intersection de nos deux thèses de doctorat. Alors, j'ai déjà mentionné ce terme plusieurs fois. Notre recherche s'intéresse à des concepts dits essentiellement contestés. Et pour vous en donner la définition, les concepts essentiellement contestés sont des concepts qui génèrent des conflits perpétuels sur la façon de les comprendre et de les appliquer correctement. Donc, ils n'ont pas de définition unique et sont sujets à différentes représentations. De par leur nature contestée, les définitions, compréhensions et applications de ces concepts peuvent varier en fonction du contexte historique et géographique, ainsi qu'en fonction des caractéristiques culturelles et individuelles de leurs utilisateurs. Alors, c'est le cas de nombreux concepts en sciences humaines et sociales. Et par exemple, la démocratie ou la justice sont des concepts bien connus, mais dont l'interprétation de la signification peut varier. Donc, ils sont sujets à débat. Et c'est également le cas du concept de responsabilité sociétale des entreprises que nous étudions dans le cadre de cette étude. Alors, puisque les concepts essentiellement contestés n'ont pas de définition unique, leur apprentissage provoque chez les apprenants un déséquilibre à la fois social et cognitif qui les oblige à remettre en question leurs connaissances. Les travaux de Piaget sur la base des théories constructivistes d'apprentissage expliquent la façon dont on construit nos structures cognitives en analysant des différents points de vue qui nous permettent de trouver un équilibre cognitif. Alors, pour apprendre des concepts essentiellement contestés, il faut s'engager dans des discussions de fond qui permettent l'analyse de différents points de vue et la construction de connaissances. Mais, d'après Asterhan, entre autres chercheurs, les discussions de fond permettent la construction de connaissances uniquement si les concepts sont discutés dans un environnement accompagné, c'est-à-dire dans un environnement où les instructeurs encouragent des interactions qui permettent à l'apprenant d'utiliser des compétences sociales et des réflexions qui leur amènent à trouver un équilibre cognitif. Les forums des MOOC
Les MOOC, ce sont des cours en ligne de niveau universitaire où les instructeurs encouragent l'utilisation des compétences sociales et des réflexions par différents outils. Un de ces outils est le forum de discussion. Dans les forums de discussion des MOOC, les apprenants peuvent avoir des discussions de fond et discuter des différents concepts qui leur permettent d'analyser les points de vue des autres apprenants. Alors, comme ces discussions peuvent provoquer un déséquilibre cognitif, les forums de discussion des MOOC peuvent potentiellement offrir un environnement favorable à la construction et reconstruction des connaissances. Cependant, nous devons analyser si les instructeurs des MOOC encouragent la mobilisation de plusieurs compétences sociales et de réflexion qui permettent aux apprenants de trouver un équilibre cognitif et favorisent l'apprentissage des concepts essentiellement contestés. Alors, notre question de recherche est donc de quelle manière la conception pédagogique de forum peut-elle faciliter la discussion des concepts essentiellement contestés? Pour pouvoir répondre à cette question, nous examinons la conception pédagogique de forum et les types d'interactions que les instructeurs suscitent pour aider les apprenants à s'engager dans les débats de fond sur les concepts essentiellement contestés. Alors, pour répondre à cette question de recherche, nous étudions le cas de la responsabilité sociétale des entreprises et la façon dont ce concept est enseigné et discuté dans des forums de discussion d'un MOOC. Donc, la RSE fait référence à l'attente selon laquelle une entreprise est responsable envers la société et responsable de la société par la compensation des externalités négatives et la contribution au bien-être social. Donc, elle est communément décrite comme la contribution des entreprises au développement durable. Et donc, le concept de RSE est en débat permanent car ses applications sont liées au contexte historique et géographique. Sa définition crée des tensions car les individus sont confrontés à des ambiguïtés et complexités et son interprétation peut mener à de potentielles contradictions. Alors, pour cette raison, la RSE est définie comme un concept essentiellement contesté. Il est donc un concept pertinent à étudier car il crée des déséquilibres cognitifs chez les apprenants qui pourraient être résolus par des discussions de fond accompagnées. Alors, pour étudier la RSE, nous examinons les forums de discussion d'un MOOC intitulé « Communiquer la RSE » développé par Valérie Swann à Lucille-Vin. Alors, ce MOOC constitue un environnement riche dans lequel les apprenants discutent de leur perception de la RSE et dans lequel nous pouvons investiguer les processus d'apprentissage que révèlent ces discussions. Alors, nous analysons les discussions de plus de 23 800 apprenants inscrits au cours depuis 2016. Nous avons extrait les données textuelles des forums EDX, qui représentent plus de 11 500 messages postés par les apprenants. Nous analysons également les instructions de 44 forums créés par les instructeurs et visant à discuter la signification et les applications de la RSE. Et finalement, nous avons interviewé les instructeurs afin de comprendre leur objectif par la création de chacun de ces forums dans la conception générale du MOOC. Denis ? Oui, ici, je vous propose d'observer un forum en particulier proposé au début du MOOC, qui est un exemple de forum de discussion où les apprenants peuvent discuter de la RSE. Cet exemple nous permet de voir les instructeurs, comment les instructeurs ont conçu un environnement accompagné qui peut amener les apprenants à utiliser différentes compétences cognitives qui leur permettent de débattre les concepts essentiellement contestés de la RSE. Alors, pour répondre à notre question de recherche, on analyse la conception pédagogique des forums du MOOC pour identifier les compétences cognitives qui sont attendues des apprenants. À cet effet, on utilise comme instrument la taxonomie Solow. Cette taxonomie est un modèle hiérarchique basé sur une théorie constructiviste qui aide à catégoriser les processus cognitifs en fonction de leur qualité. Cette taxonomie propose 5 niveaux de processus cognitifs et 4 d'eux peuvent aider les instructeurs à concevoir des tâches pour susciter des discussions de fond. Dans les niveaux les plus bas, la tâche ne traite que d'un seul aspect de savoir. Ici, le type d'interaction que les instructeurs suscitent vise à identifier ou décrire les points de vue des apprenants. Dans les niveaux les plus hauts, la tâche encourage les apprenants à faire des relations entre les différents points de vue et à réfléchir pour trouver un équilibre cognitif.
Cette taxonomie nous permet d'analyser la conception pédagogique des forums pour identifier les compétences cognitives qui sont attendues des apprenants. Toutefois, l'ambiguïté conceptuelle de ce niveau peut nécessiter le soutien d'une autre taxonomie étroitement liée. Voilà pourquoi la taxonomie de Bloom, on a choisi cette taxonomie parce qu'elle également catégorise différents niveaux de processus cognitifs de manière hiérarchique. Elle propose 6 niveaux de processus cognitifs qui ont été corrélés avec la taxonomie Solon. Et cette taxonomie de Bloom est vue comme un complément utile de la taxonomie Solon. Comme ces deux taxonomies mesurent des constructions similaires, leur utilisation pour analyser la conception pédagogique des forums de discussion de MOOC pourrait donner une perspective plus holistique de la manière dont les instructeurs aident les apprenants à s'engager dans les débats de fond sur les concepts essentiellement contestés. Revenons à notre exemple de forum. Sur la base des instructions données dans les forums, nous avons identifié le niveau de processus cognitif que les instructeurs ont encouragé pour aider les apprenants à construire les connexions sur la RSE. Nous avons également conduit des entretiens semi-directifs avec l'équipe pédagogique de MOOC en RSE pour comprendre leurs objectifs et défis dans la conception de forums visant à discuter la RSE. Notre propre analyse de forum ainsi que l'analyse de cet entretien nous ont donné une compréhension plus globale de la manière dont la conception pédagogique de forum peut faciliter la discussion de concepts essentiellement contestés. Et ici, notre résultat préliminaire identifie les niveaux relationnels de la taxonomie solo et les niveaux les plus encouragés dans la plupart des forums. À ce niveau, les apprenants peuvent relier leur savoir entre eux. Ils voient plusieurs aspects d'une situation et peuvent donner des explications sur la compréhension d'un sujet. Cependant, ce schéma-ci ne nous montre que les intentions des instructeurs. Il ne montre pas si ces intentions ont été réalisées par les apprenants. Alors, c'est pourquoi je vous propose maintenant de revenir à notre observation du forum et de s'intéresser non plus aux instructions donné par les professeurs, mais aux messages postés par les apprenants dans le fil de discussion. Alors ici, on voit une interaction provenant du forum où deux apprenants se questionnent sur la portée de l'impact qu'une entreprise peut et ou doit avoir dans la société. Donc on voit que se pose la question de la zone géographique des impacts d'une entreprise et du coup du champ des actions et initiatives RSE devant être mises en place. Alors, c'est un exemple de débat lié au contenu propre au concept essentiellement contesté, et cela montre bien l'intérêt et la nécessité de se pencher sur la façon dont les instructeurs du MOOC peuvent guider les apprenants à co-construire leurs connaissances sur des concepts sujets à diverses compréhensions et applications. Alors, il existe des centaines de messages de ce type sur le forum, et s'y intéresser nous permet d'étudier la compréhension d'un concept essentiellement contesté. Alors, nous nous sommes donc intéressés au contenu de ces messages afin de comprendre quelles sont les perceptions de la RSE que les apprenants ont au début du MOOC. Donc, comment les individus perçoivent, interprètent et comprennent ce concept essentiellement contesté. Alors, pour ce faire, nous analysons qualitativement les plus de 600 messages postés par les apprenants dans ce premier forum du MOOC visant à partager les différentes perceptions du concept. Alors, cette analyse est actuellement en cours. Et quelques axes émergents peuvent déjà être mis en avant. Donc, par exemple, on voit des différences dans la compréhension du concept en termes de temporalité, donc plutôt court terme ou long terme, mais également dans la façon de parler du concept, de façon prescriptive, la RSE devrait, ou de façon descriptive, ce qu'on observe dans les entreprises. Il y a aussi des divergences dans l'initiative de la RSE, donc si cela part d'une action volontaire de l'entreprise, ou plutôt d'une contrainte imposée par la société. Alors, il y a aussi un débat entre la notion de profit purement économique et l'idée plus large de progrès. Et pour en citer un dernier, l'idée que la RSE est une opportunité stratégique pour les entreprises ou plutôt un besoin. Alors, plus précisément, concernant les thèmes mentionnés par les apprenants dans leur définition, on voit revenir souvent les notions d'environnement, d'écologie, de bien-être social, entre autres.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir que certains apprenants, pour certains apprenants, ce sont des dimensions à intégrer, et pour d'autres, ces dimensions sont en opposition, en tension. Donc voilà brièvement pour cette analyse des perceptions de la RSE en cours. Alors une fois terminée, la prochaine étape sera d'examiner les perceptions provenant d'un forum similaire situé tout à la fin du cours, afin de voir si des changements se remarquent dans la façon dont les apprenants partagent leur compréhension du concept. Et cela pourra être mis en perspective ensuite avec le contenu discuté au sein des forums, afin de voir si les discussions entre apprenants ont permis un apprentissage plus approfondi du concept et la co-construction de la connaissance visée par les instructeurs. Alors, après avoir présenté nos analyses en cours sur deux volets différents de l'apprentissage de la RSE, donc d'une part les instructions des professeurs et d'autre part les perceptions des apprenants, nous souhaitions finir la présentation par deux questions clés aux implications concrètes qui émergent de cette recherche. Donc tout d'abord, quels sont les enjeux de l'apprentissage et concepts essentiellement contestés dans les MOOC? Eh bien, nous pouvons déjà dire que l'apprentissage de tels concepts nécessite des discussions de fond dans un environnement accompagné qui permette une compréhension plus large et plus complète du sujet. Donc l'accent doit être mis sur la co-construction de la connaissance. Et dans le MOOC, eh bien, cela est possible dans les forums de discussion. Mais dans ce cas, et c'est la deuxième question, nous pouvons nous demander si la conception pédagogique des forums des MOOC favorise effectivement l'apprentissage de tels concepts. Donc nous avons observé que les instructions sur les forums favorisaient différents niveaux d'apprentissage. Et dans ce cas-ci, les instructions engageant à mobiliser des compétences sociales et de réflexion élevées semblent plus adaptées pour favoriser ces débats de fond et permettre cette co-construction de la connaissance à propos des concepts essentiellement contestés en sciences humaines et sociales. Alors, en conclusion, les résultats préliminaires de cette étude soulignent la nécessité d'une conception pédagogique des forums prenant en considération les caractéristiques des concepts en sciences humaines et sociales et encourageant les apprenants à interagir entre eux, donc en mettant l'accent sur cette construction de la connaissance. Alors, durant nos deux thèses de doctorat, Denis et moi-même souhaitons, par nos futures recherches, d'une part, investiguer l'évolution de la compréhension d'un concept tel que la RSE et plus généralement comprendre le processus d'apprentissage des concepts essentiellement contestés en sciences humaines et sociales sur les MOOC et d'autre part, d'identifier les mécanismes pédagogiques permettant de générer des conflits socio-cognitifs sur les forums de discussion des MOOC dans le cas de concepts essentiellement contestés comme la RSE. Voici les références que nous avons utilisées. Et merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à nous poser des questions ou à nous contacter. Mais merci bien, merci d'avoir respecté le planning, mais surtout merci pour le contenu de votre présentation. Je me tourne vers le public. Est-ce qu'il y a des questions? Certaines personnes souhaitent intervenir. Je n'ai rien vu dans le chat. Est-ce qu'il y a une question? Vous pouvez à ce moment-là allumer votre micro et